Coucou, je reviens de chez Action. J'avais besoin de trucs pour préparer tout un tas de choses. Voilà, donc je voulais un bloc que j'ai pas trouvé. Ça m'agace beaucoup parce que je n'achète plus beaucoup de blocs et quand il y a un bloc qui me plaît, ben je le trouve pas. J'ai mis je sais pas combien de temps à trouver le bloc rose là avec toutes les roses que tout le monde voulait. Ben là, je ne trouve pas celui où il y a des palmiers où ça fait vacances tropiques. Voilà, ben je le trouve pas. Ça m'énerve. J'ai pris toute la pile parce que comme je ne le connais pas bien sur le dessus, quoi, j'ai viré toutes les. Voilà, les uns après les autres. De toute façon, c'est tous les mêmes qui restent, j'ai l'impression. Il y en a qui ont plus de succès que d'autres. Voilà, ben, je ne l'ai pas trouvé, c'est comme ça. Voilà, j'espère le trouver parce que la page des palmiers est trop belle, quoi. Voilà, bref. Donc. J'ai pris la lessive. Donc, si vous hésitez à prendre cette lessive-là, voilà, je baisse un peu pour que vous voyez. Si vous hésitez à prendre cette lessive-là où vous vous dites, ouais, ça doit être dégueu, enfin, elle est pas chère, donc si elle est pas chère, nanana, eh bien, moi, ça fait un an. Ça fait un an que je la prends. Je lave pas tout avec. Je vais vous montrer. J'ai pris une autre lessive où je lave les pulls, les chemisiers, voilà, les choses comme ça avec. Mais autrement, je lave absolument tout avec celle-ci. Les taches reviennent impeccables. C'est pas une odeur entêtante. Avant, elle était au savon de Marseille. Et maintenant, ils l'ont fait rose et magnolia. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Mais là, j'insiste. Enfin, j'insiste. Vous faites comme vous voulez, hein. Mais voilà. L'odeur est pas désagréable. Moi, j'aimais autant l'une que l'autre parce que j'aime bien le savon de Marseille. Voilà. Impeccable. Donc vous mettez ça en devant dans votre machine. Moi, avec les vêtements de Ronan qui reviennent un peu dégoûtants, je mets du bicarbonate de soude et je mets les perles style Lenor là en plus de ma soupline. Maintenant, je suis même revenue au berlingot de la marque Lidl en berlingot pour faire l'adoucissant. Mon linge, il sent pas mauvais hein, parce que je suis quand même un peu maniaque avec ce que je porte et en plus j'ai une peau. J'avais peur par contre à ma peau, j'avais peur de me gratouiller. Pas du tout. Donc je peux vous dire, allez-y, foncez pour 2,95 €. Je l'ai acheté l'année dernière parce que quand on déménage, on a beaucoup de lessive. Enfin, c'est pas qu'on lave pas son linge le reste du temps, mais bon, voilà. Et je me suis dit, bon, ben, ça va faire quand même pas mal de dépenses. Donc, tu vas essayer de restreindre. Et je l'ai essayé à ce moment-là. Impeccable. Et j'ai même laissé le bidon chez des amis avant de déménager où j'avais utilisé très peu puisque j'avais utilisé leur machine à laver. Hein, la mienne n'étant plus. Et ben, elle a été super surprise et elle l'utilise aussi maintenant. Donc voilà, je me permets de faire un long passage là-dessus parce que c'est la vérité. Donc cette semaine, ils ont en promotion ça. C'est un trieur à papier chez Action. Écoutez, il n'y avait que cette couleur. Donc c'est un peu parme, c'est pas mes couleurs, mais on va avoir besoin d'avoir plusieurs dossiers un petit peu à se trimballer avec nous. Donc je l'ai pris. Alors, je me suis pris ce sac-là qui est aussi en promotion de la semaine, il a 5,95 €. Donc, c'est pas une fermeture, c'est avec des petits cordons comme ça sur le côté. Bon,
On verra bien. Moi, j'ai pris celui tout simple comme ça. Moi, j'aime les choses toutes simples et j'aime les choses en paille naturelle. Alors, le cordon, j'ai peur qu'il ne tienne pas, mais je me suis dit que. Eh ben non, je me suis dit rien du tout. Ah si, non, non, même pas. Ou alors, il faudra faire une petite couture. Je me suis dit que si la corde, elle tenait pas, il suffirait de la changer avec une corde en jute. Là, ils en ont des cordes chez Action. J'en ai d'ailleurs une qui me reste. S'il y aura possibilité de monnayer, mais en faisant un peu de couture, si celle-ci, elle tient pas. Après, je me suis dit, s'il fait qu'un an, pour le prix, c'est pas bien grave. Donc, la deuxième lessive que je prends pour justement mes chemisiers, enfin tout ça, c'est le dash. Alors, celui-ci, je le prends. Ça fait au moins 25 ans que je prenais, et je prenais que ça avant. Je prenais pas cette lessive, je prenais que du dash. Voilà, j'étais fidèle au dash. Ben, ça me fait faire quand même une économie hein, de mélanger. J'ai pris un petit crayon comme ça que je passe vite. Voilà, c'est pour un petit cadeau. J'ai repris ben, le bicarbonate. Voilà, on est en plein la lessive. Alors, ils ont en promotion cette semaine les bruts. Ils les ont tous. Il y a l'original, donc le vert, le rouge, le gris, le bleu plus foncé. Ça, c'est un bleu qui tire sur le violet. Il y a trois bleus en tout. Et celui-ci, il y a deux marrons. Donc, il y en a un marron que Ronan n'aime pas du tout. Donc, il ne veut pas essayer l'autre. Il y a le argenté, enfin bon, bref, j'en ai pris deux comme ça. Ronan porte en eau de parfum, le vrai de vrai. Il porte le bleu de Chanel et celui-ci, il lui ressemble. Alors, moi, je vous dirais que. C'est moins flagrant que celui pour femme. Moi, je prends celui pour femme aussi. Le noir. Le noir en capace comme ça chez Action. Et j'ai le vrai Yves Saint-Laurent, le libre. Franchement. Alors, il tient moins longtemps. C'est sûr, mais il tient quand même. Hein. Parce que sans quoi, je le prendrais pas. J'estime que moi, ça finit de m'habiller. Un parfum et je ne peux pas me passer de parfum. C'est peut-être le seul vrai vrai luxe parce que je me maquille très très peu. C'est le seul vrai vrai luxe que je m'offre. C'est du parfum. Bon, si je l'ai acheté le Capas, c'est que je ne rachèterai pas libre parce que c'est pas mon parfum préféré. Voilà. Mais je le porte. Donc, le bleu de Chanel, Ronan, il en est content pour tous les jours, hein, pour aller travailler. Il n'a pas besoin de sentir à fond la caisse, comme il dit. Voilà. Donc, j'ai repris du savon pour les mains. J'ai pris celui-ci, verbena, bergamote, citrus. Donc, bah là, je suis à la maison. Hein, je vais pouvoir ouvrir. Je déteste hein, les gens qui ouvrent tout. S'il n'y a pas de testeur, Soit je prends pas, soit je me dis je prends puis je verrai. Oui, ça sent bon. Bon, c'est le packaging hein, qui me l'a fait acheter. On va pas se mentir. Ça fait un peu spa, un peu classe. Voilà. J'ai pris deux. Voilà, oui. Deux pop-corn au sel pour Ronan. J'ai pris deux dentifrices Colgate comme ça parce que donc je vais faire deux petites panières d'accueil pour mes invités. Donc dedans il y aura ça, une brosse à dents, un gel douche. Enfin bon bref, je vais leur faire et je vais leur mettre au pied de leur lit. Ça fera toujours ça de moins à transporter, c'est ce que je leur ai dit.
Voilà, les brosses à dents, j'en ai en stock, c'est des brosses à dents médium, tout à fait ordinaires. Une fois parties, elles iront à la poubelle, mais au moins, ils n'auront pas à se trimballer avec tout ça. Donc, ça, c'est après. Alors, j'ai pris un petit savon comme ça, amande, on verra bien ce que ça donne. Je mettrai sur le lavabo des invités. Voilà, parce que ça, je vais le mettre dans la cuisine. J'ai pris une brosse à vaisselle comme ça qui va me servir. C'est parce qu'elle est toute, elle n'est pas grande de là. Ça va me servir pour faire le nettoyage des lavabos dans la salle de bain. Et je me suis pris deux paires de sockets, deux seulement parce qu'elles me paraissaient très fines et j'en ai besoin pour samedi pour mettre dans une paire de chaussures. J'ai peur d'avoir mal aux pieds, donc voilà. Et je suis allée chez l'Incroyable. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Par contre, ils portent bien leur nom, hein. Ils ont des trucs incroyables. Donc je me suis pris cette serviette, ces serviettes-là, très jolies. Je vais faire une petite créa avec, j'ai envie. Donc ça fait très très printanier. C'est tout ce que j'ai pris chez Action. J'ai l'impression qu'il me manque un truc. Mais je ne sais pas. Non, ben, ça doit être tout. Si, si, il me manque le fameux bloc, hein. Ah non, non, je vous jure, j'étais vénère. Voilà. Ben, il y a comme ça des moments où je m'énerve, sans doute vous aussi, hein, ça nous arrive toutes, où je m'énerve pour des trucs invraisemblables, hein, s'énerver parce que j'ai pas trouvé un bloc. Maintenant, j'étais contrariée. Contrariée parce que si j'avais eu le temps, j'aurais pris ma voiture. Oh, oui, j'aurais pris ma voiture. Bon, j'y suis pas allée à pied, hein, j'y suis allée en voiture. Mais j'aurais eu le temps, j'aurais retraversé la ville pour aller de l'autre côté parce que ce bloc, il me plaît vraiment, je sais ce que je veux faire avec. C'est quand même quelque chose, ça. Bon, et comme je vais pas chez Action souvent, bah écoutez, on verra bien. J'espère le trouver. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout. Ça, j'espère que ça tiendra quand même au moins l'été, que ça ne va pas faire qu'une semaine. C'est parce que, en fait, ça va me servir. Je me trimballe plus avec mon sac à main. Voilà, depuis que j'habite en ville, je me trimballe plus avec mon sac parce qu'on met des choses dedans et le sac à main, c'est pas assez grand. Et ça, au moins, bah, le parapluie pliant, hein, parce que donc on a une année où il faut tout le temps le sortir. Le parapluie pliant va dedans. Enfin bon, la petite bouteille d'eau, tout, c'est super pratique. Voilà, et ça va aller avec mon style vestimentaire, voilà, avec mes robes d'été, mes jeans et tout, très bien. Voilà, écoutez, du coup, c'est tout ce que j'ai pris chez Action. J'ai rien trouvé de foufou au loisir créatif et puis j'étais contrariée. Voilà, toujours pas de massicot. Donc toujours pas de massicot, ben je vais en commander un, mais il faut que je me penche sur le problème, je ne sais pas lequel commander. Mais il faut que je fasse. Voilà. Je vous fais des bisous, portez-vous bien et puis à bientôt, bye bye.